Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les adversités de la vie? Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de vivre d'une manière plus épanouissante et plus gratifiante? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés aux défis de la vie. Mais il existe une philosophie qui peut guider nous pour les surmonter et trouver satisfaction. Le stoïcisme. Cette ancienne école de pensée enseigne que le vrai bonheur réside dans le fait de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Dans cette vidéo, nous explorerons 25 règles stoïciennes qui nous guident pour développer le courage, la gratitude, la modération, l'autonomie, la patience et faire face aux défis. En prenant le temps de mettre en pratique ces règles, vous découvrirez comment elles peuvent transformer votre vie, vous apportant plus de bonheur, de résilience et enrichissant vos relations. Avant de continuer, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser beaucoup. Si vous cherchez à élargir votre compréhension et votre application de la philosophie stoïcienne dans votre vie quotidienne, notamment en ce qui concerne le contrôle des émotions et la connaissance de soi, j'ai une suggestion précieuse. Accédez maintenant au e-book « Manuel de l'esprit stoïcien ». Contrôlez vos émotions, résolvez vos déficits et parvenez à la connaissance de soi. Cette ressource incroyablement valable, qui complète et approfondit les concepts de manière pratique et accessible. Pour y accéder, cliquez simplement sur le premier lien qui sera épinglé dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Cet e-book peut être un outil utile dans votre recherche d'équilibre et de connaissance de soi. Êtes-vous prêt à vous lancer dans un voyage vers une vie plus pleine et plus satisfaisante? Alors suivez-nous. L'une des règles centrales du stoïcisme est d'accepter l'imprévisibilité de la vie et de reconnaître que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons. Il est essentiel de comprendre que nous n'avons pas le contrôle sur tous les aspects de notre existence. Si nous nous accrochons à l'idée que tout doit se dérouler selon nos plans, nous serons constamment confrontés à une frustration et à une déception. La vie, de par sa nature, est imprévisible. Nous pouvons être confrontés à des pertes d'emploi, à des maladies, à des pertes personnelles, à des crimes ou à des catastrophes naturelles. Résister à cette réalité ne fera que nous apporter davantage de déception et de frustration. Cependant, en acceptant l'incertitude de la vie, nous pouvons apprendre à relever ces défis plus efficacement, en développant notre résilience et notre adaptabilité au changement. Comment pouvons-nous accepter l'imprévisibilité de la vie? Plusieurs approches peuvent nous aider dans ce processus. Premièrement, il est important de réfléchir à la nature de la réalité. La réalité est complexe et changeante, et les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons. Il s'agit d'une vérité universelle, valable pour chacun, peu importe qui il est ou ce qu'il fait. Pratiquer l'acceptation est une étape cruciale. Accepter ne signifie pas être d'accord avec tout ce qui se passe, mais plutôt reconnaître que c'est la réalité et que nous ne pouvons pas la changer. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de nous soucier de ce qui est hors de notre portée, nous nous sentirons plus confiants et plus maîtres de notre vie. La deuxième règle stoïcienne est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. Une fois que nous acceptons l'imprévisibilité de la vie, nous pouvons commencer à nous concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle. Cela nous aide à nous sentir plus en sécurité et à gérer notre vie plus efficacement. Les choses que nous pouvons contrôler incluent nos propres actions, pensées et émotions. Nous pouvons choisir comment agir, quoi penser et comment réagir face à différentes situations. D'un autre côté, ce qui échappe à notre contrôle comprend les actions, les pensées et les émotions d'autrui, ainsi que les circonstances extérieures telles que la météo, la maladie ou les accidents. Si nous nous concentrons sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous sentirons constamment frustrés et déçus. Cependant, en nous concentrant sur ce qui est à notre portée, nous pouvons relever plus efficacement les défis de la vie, apprendre à être plus résilients et nous adapter au changement. Pour nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons prendre certaines mesures. Identifiez les choses qui sont sous votre contrôle. Prenez le temps de réfléchir aux actions que vous pouvez entreprendre, aux pensées que vous pouvez choisir d'avoir et à la manière dont vous pouvez gérer vos émotions. Fixez-vous des objectifs réalistes. Fixez-vous des objectifs réalisables et sous votre contrôle. Cela contribuera à augmenter votre motivation et votre sentiment d'accomplissement. Commencez votre voyage vers ce que vous voulez vraiment et prenez l'initiative pour atteindre ces objectifs. N'attendez pas passivement que les choses se produisent.
il est essentiel d'apprendre à accepter les aspects de la vie qui échappent à notre contrôle. Lorsque nous sommes confrontés à des situations, ce n'est pas le cas. Nous pouvons changer. Le mieux est d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Se concentrer sur ce qui est à notre portée présente de nombreux avantages. Cela renforce notre résilience, car en concentrant notre attention et nos efforts sur ce que nous pouvons influencer, nous sommes mieux équipés pour nous adapter et surmonter les obstacles. Cela réduit également le stress et l'anxiété, car en nous concentrant sur ce qui est contrôlable, nous nous sentons plus en sécurité et avons un plus grand contrôle sur nos vies. Cette approche nous apporte un plus grand sentiment de bonheur, en nous permettant de valoriser davantage les joies de la vie quotidienne et de vivre le présent sans nous soucier constamment de l'avenir incertain. Se concentrer sur ce qui est contrôlable est une étape essentielle vers une vie plus pleine et plus épanouissante. Cela nous aide à développer notre résilience, à réduire le stress et l'anxiété et à accroître notre sentiment de bonheur. Face à des situations indépendantes de notre volonté, il est utile de réfléchir à la façon dont nous y avons réagi. Vous êtes-vous senti frustré ou contrarié? Avez-vous réussi à rester concentré sur ce qui était à votre portée? En vous concentrant sur les choses contrôlables dans votre vie quotidienne, vous deviendrez plus apte à faire face aux événements imprévus et à vivre une vie plus remplie et plus satisfaisante. Adopter la troisième règle stoïcienne est également cruciale. Ne pas prendre les choses personnellement. De nombreuses situations qui surviennent dans nos vies ne nous concernent pas personnellement. Les gens agissent souvent pour leurs propres raisons, qui n'ont peut-être rien à voir avec nous. Reconnaître cela nous aide à maintenir la paix intérieure et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Apprendre à ne pas prendre les choses personnellement peut être transformateur. Nous nous sentons souvent blessés ou offensés par les paroles ou les actions de quelqu'un, les interprétant comme des attaques directes. Cependant, il est crucial de se rappeler que les gens agissent souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous. Par exemple, si quelqu'un nous crie dessus, il se peut qu'il passe une mauvaise journée ou qu'il soit confronté à un stress lié à quelque chose qui ne nous concerne absolument pas. En ne prenant pas les choses personnellement, nous minimisons nos sentiments de blessure et d'offense. Cette approche nous permet de maintenir la sérénité et de répondre de manière plus rationnelle et équilibrée aux situations difficiles. Pour éviter de prendre les choses personnellement, il est utile d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne. À quoi pourrait-elle être confrontée ou penser qui la pousse à agir de cette manière? Il est important de se rappeler que les actions des autres ne définissent pas notre valeur. Chacun de nous est précieux, peu importe ce que disent ou font les autres. Il est essentiel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Les avantages de ne pas prendre les choses personnellement sont importants. Cela aide à réduire le stress et l'anxiété, car lorsque nous ne nous sentons pas personnellement affectés, nous réduisons les sentiments de blessure et d'offense. Cela améliore également les relations, en étant plus compréhensif et tolérant envers les autres. De plus, cette pratique nous rend plus positifs et optimistes, contribuant ainsi à accroître le bonheur. Pour aider à adopter cette posture, quelques exercices pratiques peuvent être utiles. Réfléchissez à des situations passées dans lesquelles vous avez peut-être pris les choses personnellement et réfléchissez à la façon dont vous réagiriez différemment. Faites preuve d'empathie en essayant de comprendre le point de vue de l'autre personne. N'oubliez pas que vous contrôlez vos réactions et que maintenir un équilibre émotionnel est un choix puissant que vous pouvez faire au quotidien. Réfléchir au moment où nous prenons les choses personnellement peut être un exercice révélateur. Pensez à ce que vous avez ressenti et réagi dans ces situations. À l'avenir, lorsque vous serez tenté de prendre quelque chose personnellement, essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Autre personne, demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait motiver cette personne à agir de cette façon? S'entraîner à ne pas prendre les choses personnellement dans votre vie quotidienne est une étape importante. Lorsque quelque chose dit ou fait par quelqu'un vous dérange, essayez de voir la situation du point de vue de cette personne et rappelez-vous que ces actions ne déterminent pas votre valeur. Avec de la pratique, vous serez en mesure d'arrêter de prendre les choses personnellement, ce qui vous mènera à une vie plus remplie et plus satisfaisante. La quatrième règle stoïcienne nous apprend à ne pas nous attacher à nos émotions. Les émotions font naturellement partie de la vie. Mais si nous nous accrochons à des sentiments négatifs, ils peuvent nous submerger et affecter notre bien-être.
il est crucial d'apprendre à accepter et à traiter nos émotions de manière saine. Lorsque nous nous accrochons à des émotions négatives, nous pouvons nous sentir piégés dedans, ce qui peut conduire à des décisions impulsives ou malsaines. Pour éviter de vous attacher à vos émotions, la première étape est de les reconnaître. Remarquez quand vous vous sentez triste, en colère ou anxieux. Acceptez vos émotions sans essayer de les nier ou de les réprimer. Trouvez des moyens sains de les exprimer, comme parler à un ami, écrire dans un journal ou faire de l'exercice. N'oubliez pas que vos émotions ne définissent pas qui vous êtes. Ils sont juste une partie de vous. Réfléchir au moment passé où vous vous êtes accroché à des émotions négatives peut vous aider à mieux comprendre vos réactions. Face à des sentiments intenses, reconnaissez et acceptez vos émotions. Recherchez des moyens sains de les exprimer et ne vous identifiez pas à eux. N'oubliez jamais, vos émotions ne sont qu'un aspect de votre expérience et non la totalité de qui vous êtes. La cinquième règle stoïcienne est d'apprendre à vivre dans le présent. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore là. Ce que nous avons réellement, c'est maintenant. En vivant dans le présent, nous pouvons profiter pleinement de la vie. Concentrez-vous sur le passé. Nous apporte souvent tristesse, regret ou mélancolie, tandis que se concentrer sur l'avenir peut générer de l'anxiété, de l'inquiétude ou du stress. En vivant dans le présent, nous pouvons nous concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, apprécier les bonnes choses de la vie et valoriser chaque instant. Pour apprendre à vivre le présent, il existe plusieurs pratiques utiles. Pratiquer la pleine conscience ou la pleine attention en fait partie. Cette pratique consiste à prêter attention au moment présent sans porter de jugement. Il existe de nombreuses façons de pratiquer la pleine conscience, notamment la méditation, le yoga ou simplement la marche dans la nature. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions. Lorsque vous pensez au passé ou au futur, redirigez votre attention vers le présent. Apprenez également à apprécier les petites choses, comme une tasse de café chaud, une promenade dans le parc ou une conversation avec un ami. Les avantages d'apprendre à vivre dans le présent sont nombreux. Cela peut augmenter votre bonheur, réduire le stress et l'anxiété et améliorer votre attention et votre concentration. La sixième règle stoïcienne est d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque, mais en développant de la gratitude pour ce que nous avons, nous pouvons vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. La gratitude est une reconnaissance des bonnes choses de la vie. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous nous concentrons sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque, ce qui nous aide à nous sentir plus heureux et plus satisfaits. Pour être reconnaissant, certaines pratiques sont recommandées. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui vous aidera à vous concentrer sur les bonnes choses de votre vie. Prenez le temps d'apprécier ces choses. Vous pouvez le faire en prenant simplement un moment pour réfléchir à ce que vous avez. Exprimez votre gratitude envers les autres en montrant que vous appréciez leur présence dans votre vie. Les avantages d'être reconnaissant incluent une augmentation du bonheur, une réduction du stress et de l'anxiété et des relations améliorées. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut enrichir considérablement votre vie. Un moyen simple d'y parvenir est de créer une liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, soit au réveil, soit avant de vous coucher. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux bonnes choses de votre vie. Vie en prenant de profondes respirations et en vous concentrant sur ce que vous avez. De plus, exprimez régulièrement votre gratitude aux autres, en leur montrant à quel point vous appréciez leur présence dans votre vie. Avec une pratique constante, vous cultiverez la gratitude et vivrez une vie plus complète et plus satisfaisante. La septième règle stoïcienne est la pratique de l'autodiscipline. L'autodiscipline est la capacité de contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est une compétence cruciale pour atteindre ses objectifs, surmonter les défis et maintenir une vie équilibrée. Pour développer l'autodiscipline, commencez par vous fixer des objectifs clairs et réalisables. Savoir ce que vous voulez réaliser permet de vous motiver plus facilement à agir. Créez un plan et prenez des mesures cohérentes pour atteindre vos objectifs. Soyez patient et persévérant, car l'autodiscipline demande du temps et des efforts pour se développer. Les avantages de la pratique de l'autodiscipline sont innombrables. Elle augmente le bonheur, réduit le stress et l'anxiété et contribue à la santé physique et mentale. L'autodiscipline nous aide à atteindre nos objectifs, à surmonter les défis et à vivre une vie plus équilibrée. Voici quelques exercices pratiques pour développer l'autodiscipline.
Fixez-vous un petit objectif réalisable, comme vous réveiller 30 minutes plus tôt ou lire 30 minutes chaque soir. Élaborez un plan détaillé pour atteindre votre objectif et suivez-le. Soyez patient et ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La 8e règle stoïcienne est d'aider les autres. L'une des meilleures façons de vivre une vie pleine et satisfaisante est de contribuer au bien-être des autres. Lorsque nous aidons, non seulement nous nous sentons bien dans notre peau, mais nous rendons également le monde meilleur. Aider les autres peut prendre de nombreuses formes, depuis de petits actes de gentillesse jusqu'à des engagements plus significatifs. Il existe d'innombrables façons d'aider les autres. Vous pouvez soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, comme les sans-abri, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Vous pouvez également contribuer à des œuvres caritatives ou à des causes qui vous tiennent à cœur. Les avantages d'aider les autres sont nombreux. Cela augmente le bonheur, car lorsque nous aidons, nous nous sentons bien et satisfaits. Cela réduit le stress et l'anxiété, car lorsque nous nous concentrons sur les autres, nous oublions souvent nos propres problèmes. Et cela améliore les relations, renforçant nos liens avec les autres. Pour commencer à aider les autres, vous pouvez dresser une liste d'actions que vous aimeriez entreprendre. Recherchez des organismes de bienfaisance ou des causes qui suscitent votre intérêt et qui ont besoin de soutien. Pensez à donner de votre temps ou de vos ressources financières à une cause qui vous tient à cœur. La 9e règle stoïcienne est d'être fort face à l'adversité. La vie nous apporte inévitablement des défis, des pertes et des obstacles, mais il est crucial que nous conservions notre force face à ces adversités. Pour être fort face à eux, il est important d'accepter la réalité telle qu'elle est, sachant que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous pouvons choisir comment y réagir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, en laissant de côté ce qui est hors de votre portée. Pratiquez la résilience, la capacité de rebondir face à l'adversité, est une compétence précieuse qui nous aide à surmonter les défis. Les avantages d'être fort face à l'adversité incluent une augmentation du bonheur, car lorsque nous surmontons les défis, nous nous sentons épanouis et satisfaits. Amélioration de la capacité à faire face à des situations stressantes et le développement d'une plus grande résilience, nous rendant plus adaptables et préparés aux défis futurs. Surmonter les défis apporte un sentiment de bonheur et de satisfaction. Lorsque nous acceptons la réalité et nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, le stress et l'anxiété diminuent considérablement. De plus, notre estime de soi s'améliore à mesure que nous surmontons les obstacles. Être fort face à l'adversité est une compétence cruciale pour une vie pleine et satisfaisante. Cela nous aide à accroître le bonheur, à réduire le stress et l'anxiété, et à renforcer l'estime de soi. Face à un défi, prenez un moment pour accepter ce qui s'est passé. Posez-vous la question, que puis-je faire pour faire face à cette situation? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez pour améliorer la situation et sur la manière dont vous pouvez modifier votre réaction. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés à des défis et il y a des gens qui vous aiment et vous soutiendront. La 10e règle stoïcienne est d'être satisfait de ce que l'on a. Même s'il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque, en apprenant à être heureux avec ce que nous avons, nous pouvons vivre une vie plus épanouie. Pour être heureux de ce que vous avez, pratiquez la gratitude. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et évitez les comparaisons avec les autres. Chaque personne a une vie unique, avec ses forces et ses faiblesses. La 11e règle stoïcienne est de pratiquer la compassion. La compassion est la capacité de sympathiser avec la souffrance des autres. Pour pratiquer la compassion, soyez conscient de la souffrance des autres. Essayez de vous mettre à la place des autres. Faites quelque chose pour aider ceux qui en ont besoin. Soyez gentil et compréhensif dans votre vie quotidienne. La 12e règle stoïcienne est de vivre dans le présent. Le passé est passé et le futur n'est pas encore arrivé. Le présent est tout, ce que nous avons. Pour vivre le présent, soyez conscient du moment présent. Lorsque vous pensez au passé ou au futur, ramenez votre attention sur le présent. Concentrez-vous sur ce que vous faites, appréciez et profitez de chaque instant. Ne vous inquiétez pas excessivement de l'avenir car il est incertain et s'en inquiéter n'apporte aucun bénéfice. La 13e règle stoïcienne est d'être reconnaissant. La gratitude est la capacité d'apprécier les bonnes choses de la vie et est fondamentale pour vivre une existence plus pleine et plus satisfaisante. Pour cultiver la gratitude, faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses positives de votre vie.
Soyez conscient des bonnes choses qui vous entourent, surtout dans les moments simples comme se promener. Lorsque vous exprimez votre gratitude envers les autres, non seulement vous valorisez les personnes importantes dans votre vie, mais vous renforcez également votre propre sentiment de gratitude. N'oubliez pas d'être reconnaissant d'être en vie, de la nourriture dans votre assiette et de la présence de vos proches. La 14e règle stoïcienne est de pratiquer la résilience. La résilience est la capacité de se remettre de l'adversité, une compétence essentielle pour faire face aux défis de la vie. Pour développer la résilience, acceptez la réalité telle qu'elle est, sans chercher à changer le passé, mais en vous concentrant sur la façon dont vous pouvez réagir positivement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et abandonnez ce qui est hors de votre portée. Apprenez de vos erreurs. Voyez-les comme des opportunités de croissance et entourez-vous de personnes positives qui peuvent vous soutenir et vous motiver. Face à un défi, faites une pause pour accepter la situation et réfléchissez à ce qui peut être fait pour y faire face. Demandez-vous, comment puis-je améliorer cette situation? Comment puis-je modifier ma réaction? Quelle leçon puis-je tirer de ce défi? Dans les situations difficiles, comme perdre un emploi, concentrez-vous sur la recherche de nouvelles opportunités au lieu de vous laisser consumer par la négativité. En cas de rupture, concentrez-vous sur la guérison de la rupture tout en évitant de vous blâmer ou de blâmer votre ex-partenaire. Si vous êtes confronté à une maladie, concentrez-vous sur le traitement et le rétablissement. La 15e règle stoïcienne est d'être objectif. L'objectivité est la capacité de percevoir les choses telles qu'elles sont réellement, sans être influencé par des émotions ou des préjugés. Cette capacité est cruciale pour prendre de bonnes décisions et vivre une vie plus pleine et plus satisfaisante. Être objectif, soyez conscient de la façon dont vos émotions peuvent affecter votre jugement. Essayez de comprendre différentes perspectives et de rassembler des informations pertinentes avant de prendre des décisions. Ne décidez pas à la hâte. Dans les situations qui nécessitent une prise de décision, détendez-vous et videz votre esprit en agissant comme un observateur impartial. Soyez impartial dans l'évaluation des situations ou des personnes, par exemple lors d'une discussion ou lors de l'évaluation d'un candidat à un emploi. Lorsque vous prenez des décisions financières, évaluez soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque option. La 16e règle stoïcienne est d'être honnête. L'honnêteté implique de dire la vérité, même lorsque cela est difficile ou inconfortable. C'est essentiel pour une vie plus épanouie et plus remplie. Pour être honnête, commencez par être fidèle à vous-même concernant vos pensées, vos sentiments et vos actions. Soyez transparent dans vos relations avec les autres et maintenez l'intégrité de vos actions. Faites ce que vous avez promis. Dans les situations qui nécessitent de la sincérité, même si cela est difficile ou inconfortable, choisissez l'honnêteté. Soyez franc dans toutes vos interactions, en maintenant un engagement envers la vérité, tant envers vous-même qu'envers les autres. La 17e règle stoïcienne est d'être juste. La justice consiste à agir équitablement et correctement, une qualité vitale pour une vie plus pleine et plus satisfaisante. Pour être juste, pratiquez l'impartialité, en empêchant les émotions ou les préjugés d'influencer vos décisions. Traitez chacun en conséquence. Manière, indépendamment de la race, de la religion, du sexe ou du statut social. Soyez honnête dans vos actions et vos paroles. Lorsque vous prenez des décisions, réfléchissez à la façon dont elles affecteront les autres. Dans les situations professionnelles, choisissez les candidats en fonction de leurs qualifications et sans préjugés. Aidez si vous êtes témoin d'injustice, assumez vos responsabilités et réparez les dommages si des erreurs sont commises. La 18e règle stoïcienne est d'être compatissant. La compassion, c'est ressentir de l'empathie pour la souffrance des autres, une compétence essentielle pour une vie épanouie. Pour développer la compassion, être conscient de la souffrance des autres et essayer de comprendre le monde du point de vue des autres. Soyez sensible aux émotions des autres, offrez votre soutien et votre aide si nécessaire. Donner du temps ou des ressources à des œuvres caritatives est également un acte de compassion. La 19e règle stoïcienne est d'être courageux. Le courage est la capacité d'affronter la peur et d'agir conformément à vos valeurs. Pour être courageux, commencez par reconnaître vos peurs. Affrontez-les au lieu de vous enfuir. Vous constaterez souvent que la peur n'est pas aussi effrayante qu'il y paraît. Connaître et affronter ses peurs est une étape cruciale pour les surmonter. N'oubliez pas qu'en pratiquant l'honnêteté, la justice et la compassion,
et en affrontant vos peurs avec courage, vous cultiverez une vie plus pleine, plus juste et plus satisfaisante conformément aux principes stoïciens. La 20e règle stoïcienne est d'être courageux en affrontant ses peurs. Commencez par dresser une liste de vos peurs et abordez-les progressivement. Commencez par des défis plus petits, en augmentant la difficulté à mesure que vous gagnez en confiance. Si une peur semble insurmontable, demandez le soutien de quelqu'un. Des pratiques simples, comme s'inscrire à un club de prise de parole en public pour surmonter votre peur de parler en public ou prendre un volume court pour surmonter votre peur de l'avion, sont des étapes précieuses vers le courage. N'oubliez pas que chaque action que vous entreprenez vous oblige à faire face à un problème. La peur est un acte de courage. La 21e règle stoïcienne est d'être reconnaissant. La gratitude, c'est reconnaître et apprécier les bonnes choses de la vie. À la fin de chaque journée, réfléchissez aux moments positifs, exprimez votre gratitude envers les personnes qui comptent dans votre vie et dressez une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, en la relisant quotidiennement. Soyez reconnaissant pour des expériences simples, comme un bon repas, un magnifique coucher de soleil ou l'amitié de quelqu'un. Tout geste d'appréciation pour les bonnes choses de la vie est un acte de gratitude. La 22e règle stoïcienne est d'être modéré. La modération implique de contrôler ses émotions et ses désirs. Lorsque vous vous sentez submergé par des émotions ou des désirs, prenez un moment pour vous calmer et réfléchir. Soyez réaliste avec vos attentes et apprenez à accepter que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons. Apprendre à dire non est également un élément important de la modération, car il n'est pas toujours nécessaire d'être d'accord avec tout. La 22e règle stoïcienne est d'être autonome. L'autonomie est la capacité de trouver le bonheur et la satisfaction avec ce que nous avons. Pour cultiver l'autonomie, concentrez-vous sur les choses qui sont sous votre contrôle et valorisez les bonnes choses. Dans votre vie, apprenez à apprécier les petites joies en reconnaissant que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être heureux. Dans les situations stressantes au travail, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, comme votre attitude et vos efforts. Ne vous inquiétez pas des facteurs externes, tels que les délais ou les décisions des autres. Si vos finances vous inquiètent, concentrez-vous sur votre budget actuel et évitez de vous inquiéter des incertitudes futures. Et si vous vous sentez seul, valorisez les relations que vous entretenez déjà. Bref, toute action visant à se satisfaire de ce que l'on possède est un pas vers l'autosuffisance. La 23e règle stoïcienne est d'être patient. La patience est la capacité d'attendre sans impatience, vertu essentielle pour une vie équilibrée. Développer la patience, fixer des attentes réalistes et apprendre à accepter les situations telles qu'elles sont, sans essayer de contrôler l'incontrôlable. Concentrez-vous sur le présent, en évitant les inquiétudes excessives concernant le passé ou le futur. La patience apporte plusieurs avantages, comme la réduction du stress et de l'anxiété. En cultivant la patience, vous apprenez à faire face aux défis de la vie de manière plus calme et plus efficace. N'oubliez pas qu'en pratiquant la modération, l'autonomie et la patience, vous suivez le chemin stoïcien vers une vie plus satisfaisante et plus harmonieuse. Ces vertus contribuent à construire un équilibre interne, permettant d'affronter les défis de la vie avec une vision plus positive et épanouie. La patience est une compétence précieuse qui contribue à une vie plus pleine et plus satisfaisante. Elle nous aide à éviter la nervosité ou l'anxiété lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et renforce nos relations, car les personnes patientes ont tendance à avoir des interactions plus saines. De plus, la patience est souvent liée à une plus grande satisfaction dans la vie, augmentant les chances de bonheur et de contentement. Pour développer la patience, il existe plusieurs pratiques utiles. Lorsque vous vous trouvez dans une situation qui demande de la patience, respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont, même si elles ne répondent pas à vos attentes. Concentrez-vous sur le présent et évitez de vous soucier du passé ou du futur. Dans les situations quotidiennes, comme faire la queue, distrayez-vous en lisant ou en écoutant de la musique. Si vous attendez une réponse de quelqu'un, donnez-lui du temps. Et si vous apprenez quelque chose de nouveau, ne vous découragez pas si vous ne le comprenez pas tout de suite. Continuez à pratiquer calmement et avec persévérance. La 24e règle stoïcienne est de rechercher des défis. Les stoïciens croyaient que la croissance et l'apprentissage venaient de la confrontation à nos peurs et à nos défis. Pour relever des défis, essayez d'apprendre une nouvelle compétence que vous avez toujours voulu maîtriser, comme un instrument de musique ou une nouvelle langue.
Sortez de votre zone de confort avec de petits changements, comme choisir un autre itinéraire pour vous rendre au travail ou entamer une conversation avec quelqu'un de nouveau. Fixez-vous des objectifs ambitieux qui vous encouragent à grandir et à évoluer. N'oubliez pas que pratiquer la patience et rechercher des défis sont des actes qui contribuent de manière significative à une vie stoïcienne plus riche et plus enrichissante. Ces pratiques nous apprennent à mieux faire face aux situations du quotidien et à nous développer continuellement. Rechercher des défis offre de nombreux avantages. Face à un défi, nous sommes amenés à apprendre de nouvelles choses et à développer de nouvelles compétences. Cela nous rend plus forts et plus résilients, à mesure que nous développons notre capacité à surmonter les obstacles. De plus, relever des défis peut augmenter notre bonheur et satisfaction à l'égard de la vie. Pensez à quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais qui vous fait peur. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez cette peur et à ce que vous pouvez faire pour la surmonter. Fixez-vous un objectif ambitieux et cherchez des opportunités pour vous en sortir. De votre zone de confort, en faisant quelque chose de différent aujourd'hui. Par exemple, si vous avez toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument, inscrivez-vous à des cours de musique. Si vous rêvez de voyager dans un nouveau pays, commencez à économiser pour le voyage. Si vous souhaitez améliorer vos compétences oratoires en public, proposez de prendre la parole lors d'événements dans votre communauté. Toute action que vous entreprenez pour relever un défi est un acte de courage. La 25e règle stoïcienne est d'être reconnaissant pour ce que vous avez. La gratitude nous permet de reconnaître et de valoriser les bonnes choses de la vie. À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour réfléchir aux aspects positifs qui se sont produits. Exprimer sa gratitude envers les personnes qui comptent dans votre vie est également essentiel. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et révisez-la quotidiennement. En prenant le temps de mettre en pratique ces règles stoïciennes, vous remarquerez des améliorations significatives dans votre vie. Vous deviendrez plus heureux, plus résilient et bénéficierez de relations plus saines. Alors pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui à pratiquer les règles stoïciennes et voyez comment votre vie peut se transformer pour le mieux.